Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Septième jour, le tombeau. De l'Évangile selon saint Matthieu. Le soir venu, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui remettre. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul neuf et le déposa dans le tombeau qu'il venait de se faire tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Cependant, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du tombeau. L'Évangile nous dit que Marie-Madeleine et l'autre Marie restèrent près du tombeau une fois refermé. Il n'est pas fait mention de Marie, la mère de Jésus, ce qui semble vouloir indiquer qu'elle n'est plus sur place. Marie, la mère du Seigneur, est repartie vers la ville avec saint Jean, ce qui nous indique que pour elle, l'issue du combat de Jésus avec la mort ne se jouera pas au tombeau, car Jésus n'est pas destiné à y demeurer. En effet, Marie, l'image et la figure de l'Église, garde la foi et attend la résurrection de Jésus dans l'espérance de la foi et non dans le deuil. Marie-Madeleine, qui bien qu'appelée à une haute mission lorsque Jésus s'en retournera triomphalement des enfers, n'a pas les mêmes ressources spirituelles que Marie et elle traverse, profondément ébranlée par la passion, ce que les mystiques appellent la nuit de la foi. Elle repasse tous les événements dans sa tête et se demande si elle n'a pas vécu un cauchemar et qu'elle va se réveiller. Elle se demande probablement comment il se peut que son Jésus, celui en qui elle a reconnu l'envoyé du Père, finisse dans un tel anéantissement. Comment garder la foi après une telle épreuve, devant une telle évidence, un tombeau refermé sur un corps horriblement mutilé? Comment survivre à l'absence de l'être tant aimé? Cependant, elle reste assise en face du tombeau, comme si en elle tout proclamait que ce n'est pas la fin, qu'un commencement va jaillir du tombeau. En elle se bousculent les paroles de Jésus qu'elle a écoutées, recueillies, conservées, méditées. « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le rebâtirai. » Même si sa foi est mise à rude épreuve, son amour pour Jésus ne se résigne pas à sa perte et mobilise toutes ses dernières ressources pour espérer contre toute espérance. Demandons par l'intercession de sainte Marie-Madeleine, en ce 7e jour de notre neuvaine, la grâce de ne jamais nous laisser vaincre par les oppositions du monde et de demeurer fidèles à Jésus jusqu'au bout. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Ô Christ, ayez pitié de nous. Ô Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Ô Christ, écoutez-nous. Ô Christ, écoutez-nous. Ô Christ, exaucez-nous. Ô Christ, exaucez-nous. Père du ciel qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine portant le vase d'albâtre plein de parfums, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine arrosant de vos larmes les pieds de Jésus, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine, les essuyant de vos cheveux, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine, les baisant avec ardeur, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine, à qui beaucoup de péchés ont été pardonnés, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine, enflammée des ardeurs de la charité, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine, très agréable au Seigneur, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine, très chère à Jésus, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine, choisissant la meilleure part, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine, obtenant la résurrection de votre frère Lazare, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine, assistant fidèlement Jésus en croix, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine, restant près de lui quand les disciples fuyaient, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine, première d'entre les disciples à mériter de voir le Christ ressuscité, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine, marquée au front par le contact de sa main glorieuse, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine, apôtre des apôtres,
priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine, apôtre de la Provence, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine, protectrice de l'ordre des frères prêcheurs, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine, douce avocate des pénitents, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine, patronne de notre paroisse, priez pour nous. Afin que nous méritions de jouir un jour avec vous de la présence du Seigneur pour toujours, priez pour nous. Agneau de Dieu qui enlevez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlevez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui enlevez les péchés du monde, ayez pitié de nous. Priez pour nous, Sainte Marie-Madeleine, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions. Père très clément, répandez largement sur nous vos dons, pour que par l'intercession de Sainte Marie-Madeleine, qui en aimant notre Seigneur Jésus-Christ par-dessus tout, a obtenu le pardon de ses péchés, nous obtenions nous aussi de votre miséricorde l'éternelle béatitude. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Sainte Marie-Madeleine, toi qui as été pardonnée par Jésus, toi qui as beaucoup aimé, montre-nous le chemin de la conversion véritable et de la pureté du cœur. Par amour, tu as suivi Jésus pour le servir. Apprends-nous à livrer gratuitement notre vie pour nos frères et sœurs. Tu te trouvais près de la croix de Jésus avec Marie et Jean. Obtiens-nous la grâce de la foi et de l'espérance dans nos épreuves. Au matin de Pâques, tu as reçu de Jésus la mission d'annoncer sa résurrection à ses disciples. Aide-nous à croire que la vie est plus forte que la mort, que l'amour triomphe de tout. Sainte Marie-Madeleine, prie pour nous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Car elle a beaucoup aimé, et Jésus le ressuscite, car elle a beaucoup aimé.
Au pied de la croix.